Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un top 10 de mêleurs de surface de chez AliExpress. Donc pas forcément dans les leurres qui ont pris le plus de poissons, mais en fonction de la nage, en fonction de tout aussi. Aussi en fonction des poissons bien sûr, mais aussi en fonction de la nage, de la finition et tout ça. Donc on va commencer par le premier leurre. Donc c'est des spooks. Hein, je vous les avais présentés, il y en a pas mal. Il y a différentes couleurs, donc là je vous en montre 2-3. Mais c'est vraiment des leurres. La nage, elle est nickel. J'en avais acheté une dizaine. Ils ont tous fait du poisson. Donc ce sont des très bons leurres. Rien à dire, même sur la nage. Ils se balancent très bien et tout. Donc ils sont dans mon top 10 des leurres de surface de chez AliExpress. Ensuite, en deuxième, on a les petits Whopper Popper comme ça. Pareil, rien à dire. Ça prend du poisson, ça se lance bien. Le Whopper Popper, il fait son taf. Donc, rien à dire. Voilà pour le deuxième leurre. Ensuite, là, je vous en avais montré plusieurs aussi. Mais là, le Popper, là, c'est vraiment celui qui m'a fait le plus de poissons en mer, sur le bar. Donc, voilà. Après, j'avais d'autres coloris. Hein. J'en ai également pour le brochet que vous n'avez pas encore vu. En Fighter Tiger et tout ça. Mais là, vraiment, c'est des leurres. Vraiment. J'avais peur au niveau de la nage et tout ça, et même ça pop bien, ça se lance bien. J'avais peur que ce soit un peu lourd au départ, mais pas du tout. Et j'ai même des tout petits barres qui montent dessus, donc très content. Ensuite, on a ce genre de leurre de surface ici. Pareil, donc là j'ai 3 modèles, mais je vous les avais présentés. Donc qui viennent de chez AliExpress, là, avec une grosse bille à l'intérieur. Donc là franchement, bah, rien à dire non plus. Hein. De très bons leurres. La nage, elle est nickel. De très bons leurres. Donc franchement, si vous allez sur AliExpress, cela, n'hésitez pas, quoi. Ensuite, de chez AliExpress, ici, 2 leurres pour les barres de surface qui m'ont fait pas mal de poissons. La nage, elle est extraordinaire. Je sais, je laisse les tripes du milieu, mais en mer, c'est autorisé. Rien à dire. La nage, nickel. Ça se balance très bien. Donc voilà, rien à dire. Ensuite, pareil ici, des leurres de surface. Donc des plus grosses spooks ici, très bruyants. Je vous les avais montrés, j'en ai plusieurs. Là, je vous montre 2 coloris comme ça. Mais eux, ils sont dans mon top 10. Parce que franchement, ça prend du poisson, ça se balance bien. La nage, elle est dingue. Donc voilà, pour ces leurres-là. Ensuite, dans les leurres de surface, toujours, vous les avez vus à nombreuses reprises, de la marque Noebi sur AliExpress. Coloris Ayu, le coloris là, franchement, c'est les coloris qui m'ont sorti le plus de poissons. Celui-là que j'ai racheté en plusieurs exemplaires d'ailleurs, parce que j'en ai perdu pas mal au bord de l'eau. Mais franchement, allez-y, vous pouvez y aller sans problème, quoi. Et les 3 derniers modèles de leurres de surface, ce sont tous des Asturies, mais de tailles différentes. Donc, on a l'Asturie 130 ici, en blanc, franchement, rien à dire. Il est identique par rapport au vrai, sauf que le vrai est plus large, mais la nage et tout, elle est nickel, et ça prend du fiche. Voilà. Ensuite, Asturie 110, donc là, pareil, je vous montre 2 coloris comme ça, mais ça prend vraiment du poisson. La nage est complètement folle. Donc, voilà. Et pour l'Asturie 90, pareil, pour le dernier leurre. De ce top 10. Voilà. Ça prend du poisson. Ça se lance bien. J'avais peur au début, hein, 90, que ce soit léger. Mais finalement, non. Ça prend du poisson. Donc voilà le top 10 de mes leurres de surface de chez AliExpress. Donc ça, c'est vraiment les leurres où j'ai été surpris par la nage et qui ont pris du poisson aussi, bien évidemment. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On met un petit pouce en l'air. On s'abonne. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.